funny little dream that's going through my head. A funny little dream, thinking I was dead. Angels in your eyes, singing songs of love on the night. We both went our way. Hiding it all is easy for you, not me. Hiding it all, so everyone wants to see. It's gone for me, it's all part of what used to be. Something in your eyes just makes me wanna cry. Something in your smile now, still I think you're mine. You just go your way, but if you ever think of home, I will be here. Alors, explication du morceau. Capodastre à la deuxième case. C'est un morceau qui est donc en si mineur. Mais, puisque le capodastre est à la deuxième case, on va parler des accords comme si les cordes, le sillet commençait au capodastre. Donc, ça commence par un accord de la mineur, en fait. Une position de la mineur. La mineur. Deuxième accord. Un La sus 2. Alors il n'y a plus de notion de mineur puisque la tierce mineure n'est plus jouée et c'est donc la seconde qui est jouée à la place, c'est-à-dire la corde à vide du Si. Donc c'est très facile de passer du La mineur au La sus 2, position de La mineur ordinaire, et La sus 2, on enlève simplement l'index. Alors sur la grille, j'ai mis les mesures comme étant des mesures à deux temps, 2-4. C'est-à-dire qu'une case, une mesure, correspond à deux temps. Donc ça fait en gros 1, 2, 1, 2. Je parlerai du strumming main droite après.
Donc après La mineur, La sus 2, on a exactement le même cas de figure, j'allais dire, en Ré mineur. Ré mineur, un Ré mineur ordinaire, hein, et Ré sus 2 en enlevant l'index, de la même manière que pour le La mineur. Donc si je repars du début, ça fait ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ensuite un Fa septième majeur, c'est-à-dire que c'est la septième de l'accord qui est majeur. Alors c'est sur base d'un Fa première case avec un barré, sauf qu'on ne fait plus le barré et que l'index vient se positionner à la première case de la corde de Si, et que le Mi derrière, la corde de Mi est jouée à vide. Donc ça donne ça. Alors il faut éviter d'attaquer la corde de Mi en premier. On peut jouer aussi cet accord sans mettant rien sur la corde de La ou en jouant la corde de La vide. Donc ça fait ça. Mais dans ce cas-là, vaut mieux commencer le strumming en attaquant par le Fa qui est là et de laisser de côté les deux cordes à vide des basses. Donc moi je préfère faire cet accord-là. Et ensuite ça revient sur un Ré mineur, Ré sus 2. Voilà, donc ça c'est en fait la première partie du chant qui va se dérouler là-dessus. Après, le chant passe sur un Sol. Donc le Sol, moi je le joue plutôt sans l'index, c'est-à-dire avec le petit doigt sur la troisième case là, de la corde de Mi. Et après, donc il y a une séquence avec un accord partant. Qui se déroule comme ça, Do, Fa majeur septième, Ré mineur et Mi majeur. Donc le Do, je le fais de la même, un peu la même forme que je faisais mon Fa majeur septième, c'est-à-dire que je joue la quinte à la basse là, c'est-à-dire je rajoute le Sol en fait, donc avec le bloc de trois doigts pour les basses. Et l'index toujours à la première case de la corde de Si. Donc ça fait premier accord. Deuxième accord, on n'a plus qu'à décaler le bloc des trois doigts d'une corde pour faire donc le Fa majeur septième, Ré mineur ordinaire et Mi majeur, tout banal, pour finir. Donc la séquence fait ça à partir du Sol. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Et on finit par un La majeur, comme on sait bien le faire. Après, il y a ce qu'on peut considérer comme étant le refrain. Donc ça recommence par un La sur deux mesures à deux temps, donc en fait quatre temps. 1, 2, 1, 2, un Mi mineur, 1, 2. Et là, le Sol qui enchaîne avec un Sol, un Ré, Fa dièse mineur, donc barré deuxième case au-dessus du capot d'As et derrière une position de Mi mineur. Hein. Ça descend en Fa et cette fois-ci c'est un Fa majeur, donc on le fait avec un barré première case et une position de Mi devant. Ça reste donc sur deux mesures à deux temps, donc quatre temps, et après on redescend sur un Do majeur septième. Alors de la même manière qu'on faisait le Fa majeur septième, il suffit de mettre le bloc des trois doigts sur les cordes basses, sur les cordes les plus basses, et l'index on l'enlève. Donc à partir du Do qu'on faisait tout à l'heure avec le bloc des trois doigts avec l'index à la première case, on enlève l'index. Donc là on a un Do majeur septième. On revient sur un Fa majeur septième. On repasse sur un Do majeur septième, à nouveau un Fa majeur septième, à nouveau un Do majeur septième qui enchaîne la mesure d'après avec un Sol sur deux mesures à deux temps, donc quatre temps, et encore une fois deux mesures à deux temps, quatre temps de Mi mineur.
tout ce qu'on vient de voir est joué deux fois. Après, ça passe à la coda. La coda tourne sur quatre accords, donc joués en boucle, et qui vont s'éteindre progressivement. C'est des accords très simples qu'on a déjà vus. La mineur, Fa majeur septième, Ré mineur et Sol, dont jouer chacun deux mesures, c'est-à-dire quatre temps. Alors maintenant, le strumming main droite, qui est tout à fait simple, c'est bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Donc, si je fais la séquence du début du morceau, ça fait bas, au bas, au bas. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour du morceau entier, donc il n'y a plus qu'à. Bon courage, bon travail, à bientôt.